Monsieur Philippe Duquesnoy, maire de Arn, avait donné rendez-vous ce lundi 1er décembre sur le parvis de l'hôtel de ville pour une action symbolique contre le sida. Le ruban rouge du SIDAction était placé sur le fronton de la mairie et les drapeaux sur les mâts étaient eux aussi liés par ce même symbole. Monsieur le maire avait souhaité cette action contre le fléau que représente cette maladie qui fait des ravages à travers le monde et qui touche parfois les victimes juste à notre porte. Annick Boss, adjointe chargée de l'action sociale et de la santé, a pris la parole pour, dans un premier temps, remercier les participants et, dans un deuxième temps, a expliqué pourquoi cet engagement de la municipalité. Elle signala qu'un préservatif a été distribué auparavant au foyer arnésien en même temps que la Gazette, le but de cette distribution étant de sensibiliser aux dangers du sida. Elle est revenue par la suite sur les chiffres alarmants qui détruisent des populations entières. 7500 nouveaux cas sont détectés chaque jour et cela touche n'importe qui. Le seul moyen de s'en protéger est le préservatif. Madame Boss remercia les participants qui ont formé cette chaîne de solidarité et cita quelques cas dramatiques d'hommes et de femmes et même d'enfants. Reprenant le slogan, elle déclara « Ce ne sont pas les personnes touchées par le sida qu'il faut exclure, c'est le sida ». Tous ont été condamnés à la mort, sont devenus victimes. Cette chaîne montre la solidarité qui existe au-dessus de cela. C'est également une démarche citoyenne que vous ferez ici pour montrer aux responsables de l'État.